Salut, bonsoir tout le monde. C'est aujourd'hui que cette Champions League va livrer son verdict. Plus de 60 ans maintenant qu'elle passionne toute l'Europe. Une fois de plus, l'attention est à son comble aujourd'hui, à quelques instants du début de cette grande finale que je vais avoir le plaisir de vous faire vivre en compagnie de Pierre Ménès. Ah, ça promet quand même du spectacle, hein, Pierre. Il y a eu des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont. Et maintenant, il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale. Encore moins une finale de Ligue des Champions. Thank you. Enjoy the game. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas, Marquinhos en défense. À ses côtés, il y aura Thiago Silva. Idrissa Gueye sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Et à la pointe de l'attaque, un seul joueur. Le tir de Di Maria. Bernat. Ah, il joue encore avec Verratti. Gueye. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. Neymar. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risque. Le gardien qui était très attentif sur cette frappe de loin. Oui, c'est bien d'avoir tenté, mais de cette distance, faut pas rêver non plus. Attention, ce corner de Neymar, une action qui ne donne rien. Il dégage en touche pour éloigner le danger. Di Maria, Bernat, Dominicois qui ont le bénéfice de la remise en touche. Serge Gnabry, Niklas Süle, Coutinho, Thiago Alcantara. Un joueur qui devrait encore peser dans ce match, c'est Lewandowski. 4 buts sur les 3 derniers matchs, belle moyenne. Hein. Oui, il va centrer. Pour son partenaire au deuxième poteau. Il repousse le danger loin devant. C'est repris par Alaba. On perd de balle pour Bayern. Bernat, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Bon, dégagement sans se poser de questions. Gueye, Thomas Meunier. Il avance encore. Pablo Sarabia, il cherche Di Maria. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Et corner pour les Parisiens. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Marquinhos. Verratti. Di Maria. Il cherche un coéquipier au premier poteau. Et attention. Oh, le but! Oh, le but pour le Paris Saint-Germain! Les Parisiens qui vont faire la course en tête dans cette finale. Le gardien qui s'interpose une première fois, mais qui, dans un deuxième temps, est battu. Ouais, il n'a pas pu capter la balle, le joueur a bien suivi derrière, c'est un but en deux temps. C'est le PSG qui mène. Serge Gnabry.
Et ce ballon qui traîne. Faute et coup franc pour le Bayern. Mauvais dégagement là, attention. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Edinson Cavani. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Est-ce qu'il y a une finale du UEFA Champions League qui t'a marqué plus que l'autre, bah, Pierre, j'ai une petite idée en posant la question. Un peu, oui. Liverpool Milan, non? Ouais, ou Bayern Saint-Etienne quand même. Ah ouais, ça c'est vieux, mais oui. Moi, c'est vieux, mais enfin, ça m'a marqué, moi aussi, à tout jeune. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Angel Di Maria. Ouais, ça s'arrête là, bien joué. Allez, peut-être une bonne occasion. Pris par le pressing adverse, attention. Bey, Neymar. On va peut-être assister à une contre-attaque. Le contre qui se rapproche du but adverse. Progresse vers le but. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Ça, c'est sûrement le tournant du match. Hein. On revoit ce but. Ah, il part bien, ce corner de Di Maria. Ah, c'est bien défendu. L'arbitre siffle la fin de cette première période dans une finale du UEFA Champions League que cette équipe semble avoir parfaitement préparée, hein, Pierre. Oui, pour l'instant, le plan de l'entraîneur fonctionne à merveille. Maintenant, on imagine bien qu'en face, il va y avoir une réaction. Joueurs du Bayern Munich qui vont devoir tout faire pour montrer à leurs adversaires que cette finale n'est pas encore terminée. Serge Gnabry. Ah, il n'y a personne, il n'y a personne pour contrarier le Bayern Munich dans le couloir. Mauvaise relance. André Di Maria. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est manqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé, de peu, mais c'est loupé. Neymar. Pablo Sarabia. Cavani. Avec excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Kingsley Coman. Thiago Alcantara. Coutinho. Serge Gnabry. Neymar. Di Maria. Edinson Cavani. Voilà. Le corner de Di Maria dans la... Oh, le sauvetage sur la ligne. Ah ouais, il y avait le feu là. Attention, la contre-attaque. La défense qui est revenue très vite pour interrompre cette contre-attaque. Ouais, le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Lewandowski. Excellente intervention. Le Bayern de Munich à l'attaque. Javi Martinez. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Marco Verratti. Thiago Silva. Thomas Meunier. Pablo Sarabia. Gay. Ouais, bon tac, il prend la balle.
Alaba. Lewandowski. Ils maîtrisent leur sujet pour l'instant dans ce match. Ils ont un avantage désormais à préserver. Ouais, le score à l'avantage des Parisiens, mais ça se remonte vite un but hein, sur cette fin de match. Ils vont devoir être sérieux en défense. Di Maria, ils continuent de développer leur contre-attaque. André Di Maria, la frappe. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. À la bas. Intervention, intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Ander Herrera, Edinson Cavani. Ander Herrera, ouais, bien vu la passe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Ah, il part bien à ce corner de Di Maria. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Ander Herrera. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Paris Saint-Germain qui tient bien ce match hein, pour le moment. Attention, hein, car il n'avance que d'un but. Kingsley Coman. Il faut trouver une ouverture. Allez, il faut s'appliquer pour centrer. C'est contré. Allez, attention à ce corner. S'il veut l'égaliser, c'est maintenant. Et le tireur qui a visé la zone. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là, on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Hein. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Et voilà, c'est terminé, Pierre. C'est terminé. Et c'est un moment historique pour le Paris Saint-Germain qui remporte enfin cette UEFA Champions League. Ouais, c'est magnifique, à force de rêver plus grand, comme le dit le slogan du club, le PSG y est enfin arrivé. Après tant d'investissements, tant de déceptions, ça y est, ils sont champions d'Europe. Une ligne de plus dans le palmarès, mais certainement la ligne la plus importante, écrite en lettres d'or. En or massif même. Et regardez cette joie qui fait plaisir à voir, le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Les joueurs parisiens qui se sont réunis au pied de ce podium pour recevoir la coupe, celle dont tout un club rêvait depuis de très longues années et qui va enfin être touchée du doigt, qui va être enfin dans les mains du capitaine dans un premier temps, de tous les joueurs ensuite, et qui n'a pas fini vraiment de passer de main en main. Il y aura une parade dans les rues de Paris vraisemblablement. Qu'est-ce qu'ils vont éclairer? La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Grand Palais? À Champs-Élysées, ça va encore coûter des sous, ça va, regardez. Encore, ça va encore polluer la ville. Ça. Regardez-les, ils sont au milieu de cette pelouse, ivres de joie. Le Paris Saint-Germain qui est donc champion d'Europe, qui remporte cette UEFA Champions League. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.